Régulièrement présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi est un chroniqueur emblématique de l'émission de C8. Si l'homme de 53 ans est parfois très silencieux, il raconte de temps à autre des anecdotes inédites sur sa vie personnelle et notamment sur ses problèmes financiers ou ses relations amoureuses. Un sujet qu'il a d'ailleurs abordé le jeudi 11 mai face à Cyril Hanouna. Alors que l'animateur demandait à ses chroniqueurs s'il était déjà tombé amoureux d'un professeur, Benjamin Castaldi a tenu à raconter une histoire surprenante avec une femme un peu plus âgée. J'ai eu la chance d'avoir des cours de mathématiques, parce que j'étais pas très bon. Et en fait, j'ai eu une relation avec la professeure. Et j'y allais tous les mercredis, a-t-il révélé. Benjamin Castaldi accusé d'être un mythomane par Cyril Hanouna. Après les révélations de Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna l'a accusé de mentir et a demandé aux téléspectateurs de ne pas croire son histoire. De quoi révolter l'ancien animateur de Secret Story qui n'a pas manqué de donner plus de détails. Il a ainsi expliqué, j'avais exactement 15 ans et demi. Cette professeure donnait, en plus des cours qu'elle donnait au lycée, des cours chez elle. Et j'y suis allé une fois, deux fois, trois fois. J'ai eu une aventure pendant quelques semaines avec cette jeune personne, et c'était fou. Pas de quoi convaincre l'animateur de TPMP qui a renchéri en qualifiant Benjamin Castaldi de mythomane. Celui-ci s'est alors saisi de son téléphone pour menacer d'appeler sa mère, apparemment au courant de l'histoire. Il a ensuite juré qu'il avait raconté la vérité en lançant par la même occasion une pique à Cyril Hanouna. En termes de mythomane, on peut faire un petit concours tous les deux, a-t-il déclaré. De quoi provoquer un désaccord entre les deux hommes.